Salut YouTube, fin du groupe 3, on est au Japon avec la Porsche, on va finir l'affaire parce que voilà, on doit en finir, alors n'oublie pas de mettre la cloche, abonne-toi et tout ça, allez. C'est parti, donc on reprend là où on en était, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on enchaîne avec la deuxième partie du dernier championnat qui reprend donc le rallye du Japon, qui suit le rallye d'Allemagne. On a toujours notre Porsche Martini Safari Dakar of Doom. Et donc on a encore quelques spéciales à effectuer au pays du soleil levant. Avec ses aqueducs et ses ponts. Ainsi que ses akuras. Voilà, donc désolé pour cette intro un peu abrupte, mais on est en plein milieu du championnat. Et promis, je vous proposerai autre chose que de la Porsche Safari dans la fin de la vidéo. Là, je bute complètement les spectateurs quand je suis au Japon. C'est assez particulier. Mais la voiture va bien, moi aussi. On est dans la suite de ce qu'on avait tourné juste avant. Et on va voir jusqu'où nous emmène ce gros rallye du Japon. Et on fera peut-être le premier segment de la division suivante. On verra où on en est, évidemment. Notamment, le tryhard est toujours présent. Concentré comme c'est pas possible. On est à mi-parcours, le premier secteur va... Ce sera 5 secondes. Je sais pas sur quoi j'ai rebondi là, mais... j'ai jumpé alors qu'on était... à mi-parcours. Désolé pour cette erreur. Je regardais le chrono en fait. Je me dis, bon, ça va, 1 minute 40. Ça va aller assez vite pour ce premier partiel chronométré. Encore une fois, aucun regret sur le choix de cette caisse. Par rapport à la 131 Abarth, on a un peu plus de puissance et je pense que dans les secteurs rapides, on en profite. Pas trop de secteurs sinueux. Même si en Allemagne, je pense que la 131 aurait pu parfois être intéressante. Mais bon, on a roulé avec la Stratos. Vous m'en voudrez pas de ne pas avoir fait toutes les caisses. Tant qu'on varie le plus possible pour faire un tour d'horizon. Je pense pas qu'on ait loupé le gameplay du siècle avec la 131 par rapport à la Porsche. Allez, on va bientôt finir le premier secteur. Laisser un peu emporter sur la gauche de la route. Ok, premier partiel en 3 minutes 20, ce qui est quand même beaucoup hein, pour un secteur qui n'était pas si long que ça. 8 km, oula, oula, Porscheception, voilà, on va y arriver. 11 km en gravier, donc là on va pouvoir faire glisser la voiture, ça va être encore plus fun que sur le tarmac. On est donc à Tsumagoi, deuxième des 5 spéciales, il y en a une de moins. Allez. C'est parti. En pleine floraison des sakuras, un des premiers environnements qu'on avait découvert ensemble dans ce Art of Rally. Non, 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 reviens. Ah non, je vais pas encore prendre 5 secondes. Ah, elle m'a échappé. Des fois, elle glisse. Des fois, elle se dit, allez, salut. Aucun sens. Bon, on n'a pas de dégâts, c'est le plus important. De toute façon, je pense qu'on pourra réparer avant le début de la troisième section chronométrée. C'est quand même une longue étape qu'à surveiller l'avancement. Oh là là, oh le ruban qui se dresse devant nous, c'est comme en Allemagne. L'épisode précédent, on avait enchaîné les épingles, c'était vraiment fun. Là par contre, il faut vraiment que j'apprenne à tirer un frein à main parce que ce n'est plus possible, Maxou. Là, c'était vraiment
Mission complicated. Wow. J'ai un peu moins de relance avec le gravier, je sais pas si vous l'avez senti, mais la voiture a eu un peu de mal de relancer. Et le jump en restant bien dans l'axe, impeccablement exécuté. On va récupérer nos 5 secondes si on fait plus de bêtises, je pense. Ah mais non, mais... Ah puis le délai pour te remettre en piste, quoi. Ah quel dommage, quel dommage. Elle m'échappe de manière... vraiment imprévisible dans certaines sections. Elle glisse, elle perd totalement le grip avec le gravier, ce qu'elle faisait pas sur le tarmac, ce qui est logique, hein, vous me direz. Mais j'ai vraiment perdu la voiture deux fois là, sans sommation. Alors que j'ai tapé quand même pas mal. Allez, on arrive sur la partie la plus haute. On a fait deux grosses fautes. On a perdu 10 grosses secondes. Faut vraiment plus se faire avoir. Presque au bout, encore un secteur chrono qui aura duré quasiment 5 minutes. Allez, allez. On aura déjà tiré une belle épine du pied avec cette longue section. On aura fait deux grosses bêtises. Mais bon, on s'en sort bien quand même. Ah, elle glisse vraiment, elle roule et oh, on fait 3ème de la spéciale. 3ème, c'est dommage. Bon, le Mont Akagi, on va voir ce qu'on va pouvoir faire ici, mais ouais, c'est vraiment, vraiment très délicat pour moi. On va quand même voir, il y a des choses à faire, on a bien tapé quand même. Hein. Je vais essayer de ne pas cramer toutes mes cartouches de réparation. Allez, c'est parti. De retour sur l'asphalte, donc sans doute un peu plus prévisible pour moi. Je surveille bien l'état de la spéciale. Wow! Téméraire, les gars. Oh, des supporters belges, dit terrible. Ah, quoique c'est peut-être des Roumains. Le drapeau était peut-être un peu bleu, non? Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Assez rapide, ça convient bien mieux à la Porsche que le secteur précédent. Sauf catastrophe, on devrait bien s'en sortir ici et récupérer encore une
performance qui serait digne d'un scratch. C'est vrai que ouais, la troisième place, là, elle nous a fait mal. Hein. Elle glisse. Il y a des fois, elle glisse vraiment à la motricité. Et ces fois-là, il faut vraiment la tenir parce que si tu la tiens pas, elle se retrouve vraiment perdue dans les bas-côtés. Alors au mieux, tu coupes un petit peu. Au pire, c'est bloqué dans un rail sur le bord de la route. On va essayer d'éviter ça quand même. Ça se passe bien comme vous le voyez. Désolé, je suis vraiment... Voilà, c'est pour ça que je dois me concentrer en fait. C'est pour éviter ce genre de petites conneries. Là, on s'en sort bien parce qu'on aurait vraiment pu prendre 5 secondes pour ça. Après, je suis passé au-dessus du rail. Hein. Juste comme ça. Oh, si je peux passer à côté du rocher, c'est bon. On s'en sort bien, on a de la chance sur cette section-là, hein, parce que on tape pas, on casse pas, et surtout on prend pas les 5 secondes, alors qu'on aurait pu quand même, alors qu'on est sur du tarmac. Juste, la voiture veut pas répondre, en fait. Elle est beaucoup trop joueuse par rapport à ce que j'attends. Et parfois, ça me joue des mauvais tours, notamment à la relance, comme avec la Stratos. C'est typique, je pense, de cette catégorie. On verra ce que donnera le prochain coup en termes de feeling et de comportement. J'ai freiné comme j'ai pu. Non, mais... C'est compliqué, hein. Vache, la motricité, là. Zéro. Presque au bout, encore 4 minutes de spécial là. Allez, on évite les Armco. On est presque au bout. Faut plus faire de bêtises. Le public qui peut te détruire en fin de spécial n'aura aucun effet sur nous. Et je pense qu'on fait un scratch. Hein. 4-11-5. On gagne la spéciale. Eh bien, dites-moi, compliqué. Allez, 5 km et on aura une toute dernière session de 10. Je pense que celle-là, elle va nous achever. Vraiment. Alors, le Mont Asama avec des chutes de neige. Et c'est la première fois qu'on a des conditions aussi complexes à assumer avec la pluie. Des chutes de pluie, pardon, pas des chutes de neige. Donc là, il pleut. Donc, j'ai aucune idée du feeling du gameplay. Je découvre ça avec vous. La pluie qui fait son apparition pour la première fois dans ce Let's Play. Voilà un petit peu comment la voiture se comporte. Ok, j'ai des petites vibrations quand je prends les flaques. Très légère, ceci dit. Après, c'est niveau pixel basique, hein, mais ça marche très très bien. La voiture glisse vraiment, comme je l'entends là. Ah, elle est plus à l'aise sous la pluie, la Porsche. On sent que le côté propu marche bien. Voilà, moi qui pensais qu'on allait de nouveau vivre une spéciale comme on l'a vécu juste avant. La pluie nous accueille avant les... Bah, je préfère pour celle-ci que pour les 10 km qui vont suivre après. Hein. Je peux pas mentir. Donc la pluie qui arrive. Jusque-là, feeling assez sympa. Ça reste très basique comme le reste du jeu. Bien sûr, vous attendez pas des effets à la F1 2020. Hein. Mais moi, j'aime bien. Ça a son petit charme. Comme le reste du jeu, d'ailleurs. La patte graphique toujours aussi réussie. The Fun Selector. Allez, une minute, on a déjà fait quasiment un quart du parcours, donc c'est très bon signe. Secteur rapide. Je vois les parties de route qui nous...
nous attendent un peu plus bas. Ça m'a l'air tout aussi vénère, mais tout aussi rapide. Ah, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Alors, je vous avoue que j'aurais hâte vraiment de changer de caisse. J'ai vraiment hâte de découvrir la catégorie supérieure. Pour un nouveau challenge, parce que là, je vous avoue que la Porsche Safari, ok, je l'aime bien, mais j'aimerais bien voir autre chose un petit peu. Et je pense que vous aussi, c'est normal. Oh non. Oh, pire truc! Ah bah c'est pas sur un arbre perché mais sur un rail perché là. On s'est fait une belle ligne. 600 lignes. Non franchement dommage. MDR. Non bah écoutez ça arrive hein. On s'est posé sur le rail. Tel qu'Almerad dans sa seule cascade de Bienvenue chez les Ch'tis. Poser une 407 sur un rail. Alors ça se passe bien malgré tout. Vraiment fun sous la pluie la Porsche hein. Vraiment très fun. Très fun pardon. On aurait aimé des petits parapluies sur les persos. C'est pas grand chose mais ça m'aurait fait rire de voir les persos avec des petits parapluies en bord de piste quand il pleut. Eh ben voilà, 3 minutes 11, désolé, j'ai tracé. Et il nous reste la dernière, donc de 10 km. Sur temps sec, il y aura peut-être des réparations. Non, il n'y a rien, ok. La voiture est en bon état malgré les dégâts. Bon, bah écoutez, ce sera la dernière section chronométrée avec la Porsche. On la quitte après, je vous promets. Moi aussi, je veux voir du 109, du P9. Mais tout d'abord, 10 km tout rond pour se quitter avec cette Porsche. Vraiment envie d'aller tâter un autre terrain. Alors. Début de spécial correct. Oh. Attention, hein. Attention parce qu'il faut vraiment pas se planter ou casser la voiture au début d'un parcours comme celui-ci. Alors oui, on n'a plus les billes en béton... qui jonche la route comme en Allemagne, mais on a quand même de quoi se faire peur avec notamment ce rail qui nous accroche et nous aspire quand on va à son contact. Traverser la route, c'est dangereux, faut regarder d'abord. On le répétera jamais assez. Les trois loustiques ont failli se prendre mon pare-choc. Après, je suis bien équipé hein, pour recevoir les spectateurs avec mon pare-buffle Safari. Allez, 5 km dans la besace, encore la moitié, on en aura fini, on aura gagné ce rallye du Japon après avoir gagné la Finlande et s'être imposé avec cette Porsche. Finalement, assez imprévisible, mais au demeurant vraiment fun à jouer.
ça fait tellement le taf. Voilà, les petites sections où l'herbe est un peu plus sur la route, là, c'est vraiment fun. On a vraiment l'impression de creuser et le jeu de la suspension se voit à l'image, même sur un jeu aussi simple, visuellement. Et ça, c'est tellement agréable. On a vraiment le feeling de la voiture à la manette. Va revenir, petite erreur en fin de parcours mais sans grande conséquence. Le gars qui a traversé, si je te retrouve mon gars. Allez, l'arrivée est au bout du chemin, le dernier virage de ce rallye et avec le style, l'arrivée de la spéciale et on s'est imposé dans cette spéciale et dans ce rallye. Ça fait du bien d'en finir avec ce fichu rallye du Japon et surtout cette Porsche. C'est pas forcément la voiture la plus attendue du Let's Play. Bon, la saison 76 est terminée et avec elle la partie groupe 3. On en termine et on va arriver en 77 avec la partie groupe 4. Avant les groupes B, calmons-nous. On va y arriver, vous l'attendez comme moi, 50 points sur 50, évidemment, alors qu'on est en mode difficile, mais on va pas prendre le mode extrême non plus. Mais sachant qu'on a la Ford Sierra. Ouh, attention, si Ford Sierra il y a, t-shirt spécial Sierra il y aura dans le prochain épisode, bah, vous le verrez pas. Bon là j'ai fait bleu parce que je voulais faire comme la Ferrari tout à l'heure, mais voilà. Les 4 cylindres en ligne de cette voiture propulsion, elle est magnifique cette Sierra, une de mes caisses de rallye préférées. Alors 3 heures au démarrage, on a débloqué une voiture toujours aussi dégueulasse, hein, je suis désolé, mais moi je n'aime pas du tout cette idée camouflage, soit dit en passant. Donc on a terminé le groupe 3, ça y est, on a terminé les deux arcs, on a même droit à un petit bonus. Non. J'ai voulu relancer la saison, j'étais à deux doigts de faire la bêtise de ma vie. Alors on passe au groupe 4, on va bientôt arriver à la mi-parcours. Il y a cette fois-ci 5 saisons. Alors on a tout d'abord 77, 78, 79, 80 et 81. On va voir un petit peu ce que l'on a sur cette première section. La Renault 5, la BMW M3E30, la Volvo, la bonne brique scandinave, la M1 Procar, la Ford Sierra qu'on a débloqué. On a encore une Celica à débloquer. Mais il faut terminer. Non, oh, faut terminer 95, donc 95. Bon écoutez les amis, on va se laisser ici pour le groupe 4, on a découvert un petit peu les voitures qui le constituent, on s'y attaquera très vite avec tout d'abord eh bien, la Norvège. Alors je vais voir un petit peu ce qu'on va avoir comme parcours parce que je me dis qu'avec certaines voitures on aura peut-être un peu plus de facilité que d'autres. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Art of Rally, on se retrouve très vite pour la suite avec une nouvelle session de tournage et la partie groupe 4 avant d'attaquer le groupe B et le groupe S. Partie solide de ce Let's Play. Merci à tous, merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous dans la description pour les infos et à la prochaine dans une autre vidéo. Salut !